Nilibeba mimba Mardoshe kafika 7 mois. Nikashikia maumivu, nikaona peut-être nikugeuka kwa mtoto, nikafika kwa hospital. Bakaniangalia, bakasema nikuzalo na kwa 8 cm. Mbele ya Mardoshe barikufa bawili. Pale mimi naona tena vile asema 8 cm unafia kuzala tena prematuré. Nilishikia sasa mimi napata katrouble. Je suis médecin directeur ici au centre de santé de référence d'IPETA. L'énergie électrique n'est pas disponible en permanence dans la plupart de nos structures. Alors même si on recourait à la couveuse, cette difficulté liée à l'énergie serait un grand obstacle pour pallier un peu à toute cette situation liée à l'utilisation de la couveuse. Nous avons bénéficié de plusieurs formations à des nouveaux-nés de faible poids de naissance. Des soins mère kangourou qui est très simple et adapté à notre niveau de population. La méthode consiste à mettre l'enfant de faible poids de naissance au contact peau à peau de sa maman et cette méthode permet à l'enfant de garder la chaleur. Les autres avantages, c'est que ça permet de stabiliser la respiration et même le cœur de l'enfant bat normalement. Et en respectant les mesures d'hygiène, donc l'enfant est protégé contre les infections. Il bénéficie facilement de l'allaitement maternel. Mardoshe atakuwa wa kwanza. Mardoshe atakomea mu mode kanguru. Ndio vile atamweka. Kanizalisha mtoto, alipoenda kumtosha, akamrudisha pa kilara. Anapandisha tena. 1 kilo iko inapanda. Ye, haikuanza hata kwenye aemwa. Inaanza kupapa paka mtoto, ndio vile alikomea paka vile. Par l'USAID, on a vu que le projet a apporté des innovations, beaucoup d'innovations pour aider à améliorer la qualité des soins qui sont offerts aux groupes les plus vulnérables qui sont visés, comme les mères, les enfants de moins de 5 ans et en particulier les nouveaux-nés. Il y a des techniques qui sont connues, qui sont simples, qui sont faciles à mettre à l'échelle, qui ne coûtent pas grand-chose, mais qui n'étaient pas encore appliquées à l'échelle au niveau du pays. Et le projet a aidé à former beaucoup de gens et permettre à ce que ces stratégies soient utilisées à large échelle. Le nombre de vies sauvées, c'est ça qui résume en fait l'impact que le projet a eu. On a eu beaucoup de succès avec ce projet, mais parmi nos succès très très importants, c'est le fait qu'on a arrêté la mortalité de 109 000 enfants, disons 25% de l'objectif du gouvernement de la RDC pendant les 3 dernières années. Je vile barnionesha kie uanze kumupapa mtoto kama mtoto angekufa. Watu wa hospitali ya Dipeta nilisema zaidi accent. Un bébé comme Mardoshe que nous avons élevé, chaque fois que nous le voyons chez nous, c'est un sentiment de joie, un sentiment de satisfaction. Et nous nous disons que si aujourd'hui nous sommes fiers de ce que nous produisons comme résultat, c'est grâce au partenaire qui nous a appuyés, qui nous a formés.